Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire qui maintenant devient traditionnel depuis 6-7 mois hein, maintenant, donc que l'on a intitulé avec World Data les actifs du jour, mais on va voir le sommaire. Donc le sommaire, c'est pas uniquement les actifs du jour. Donc il y a maintenant depuis le mois dernier, on a une rubrique au début qui est à cheval entre l'analyse technique et le fondamental d'économie. Aujourd'hui, je vais traiter donc de la hausse des taux d'intérêt long terme. Vous en avez certainement, pour la majorité d'entre vous, déjà entendu parler, et de l'anticipation de l'inflation. On va regarder rapidement, mais j'espère de manière claire, ces phénomènes qui sont en train de se mettre en place et d'indiquer quelles sont les zones qui ne présentent aucun risque et celles qui pourraient entraîner une déstabilisation sur les marchés. Deuxième partie, donc traditionnelle, elle, une situation actuelle des marchés boursiers, rapidement, hein, on regarde en général 4-5 actifs significatifs, et puis donc les valeurs à suivre. Il y a à la fois les valeurs que vous m'avez demandées, et puis celles que ben, j'ai trouvées, les actifs que j'ai trouvés et qui avaient une configuration qui, ben, pouvait, qui était intéressante et qui pouvait donner lieu, le cas échéant, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, donner lieu à quelque chose. Alors, on va commencer tout de suite par cette première partie. Donc, cette première partie donc, concerne les taux d'intérêt actuels, la hausse des taux d'intérêt et l'inflation qui va avec et les conséquences que l'on peut commencer à envisager en fonction des niveaux atteints notamment par les taux d'intérêt. Alors, le premier chart, à tout seigneur, tout honneur, c'est lui qui dirige la manœuvre, ce sont les Américains. Et c'est donc les taux d'intérêt, le bond, le 10 ans US. Donc là, on est en rendement. Alors, on a depuis 2 ou 3 ans, on est jusqu'au début, jusqu'au milieu de l'année 2020, on était très baissier sur les taux d'intérêt, puisqu'il y a 1 an et demi, 2 ans, on était au-delà de 3%. Et vous voyez, on est descendu dans une zone 0,55-0,60 qui est extrêmement basse. D'autant plus, et je vous rappelle que l'inflation américaine, alors il y a celle que l'on indique l'inflation core, c'est-à-dire celle qui ne tient pas compte des produits pour lesquels on n'est pas sur des tendances, mais on est sur. Comment dire, des cours boursiers. Par exemple, ça concerne les marchandises agricoles, ça concerne évidemment le pétrole. Donc, on les élimine et on regarde ce qu'est l'inflation, je dirais l'inflation réelle en tendance. On est actuellement aux États-Unis, le core est aux alentours de 1,4 et l'inflation globale aux alentours de 1,6. Et c'était à peu près, c'était un peu au-dessus. Au milieu de l'année dernière, on était plutôt 1,6, 1,7 pour le core et 1,9, 2 pour le réel. Donc, on voit qu'on avait des taux d'intérêt long terme qui étaient plus faibles que l'inflation. C'est-à-dire que si vous achetiez des obligations américaines, 10 ans à cette époque, des obligations qui étaient émises, donc aux alentours de 0,60, eh bien, vous ne retrouviez même pas la valeur de votre capital qui, petit à petit, dans le temps, était érodée à cette époque par l'inflation. Et puis, depuis le mois d'août-septembre, mais surtout depuis octobre. Depuis octobre, vous voyez ici, on a ouvert un gap qui a donné en fait le signal de la remontée des taux. Alors, j'ai présenté en Ichimoku le graphique. Hein, on peut aussi bien, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'Ichimoku, tout simplement regarder uniquement les prix.
Je l'ai mis parce que on a des éléments de renseignement complémentaires qui sont intéressants et qui sont importants. Donc, premier point, donc un gap en octobre qui donne le signal. Je précise, oui, je l'ai pas indiqué. Mon graphique est en hebdomadaire. Hein, ce sont des bougies hebdomadaires. Donc début octobre gap et depuis on ne fait que monter. C'est-à-dire que en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, depuis 22 bougies, eh bien, on en a une, deux, trois uniquement qui sont rouges. Donc, on a une tendance qui est tout à fait affirmée. Et pour ceux qui sont habitués à Ichimoku, eh bien, tout simplement, on a franchi le nuage, même si la lagging span n'a pas encore atteint le sien. On verra tout à l'heure dans les niveaux que ça a une importance. On est passé au niveau des prix en tendance haussière. On a une structure ici qui s'appelle une structure en rounding bottom, c'est-à-dire en creux arrondi, qui est généralement une excellente structure de retournement de tendance. L'autre point qui est important, lors de la baisse, notamment celle de l'automne 2019 et de l'hiver et du printemps 2020, l'évolution a été un peu violente et qui s'est traduite par l'ouverture de plusieurs gaps baissiers. On a le premier ici, donc au mois de février 2020. Ici, il y en a même un tout petit, je ne l'ai pas indiqué. Un premier gap baissier, un deuxième gap baissier. Ici, je ne l'ai pas indiqué non plus puisque celui-ci, il est franchi maintenant, donc il n'a plus d'importance. Un troisième gap baissier et puis un quatrième gap baissier. C'est-à-dire néanmoins la force qu'il y avait au niveau de la baisse. Et vous savez que tout gap est un obstacle à franchir. On voit donc ici que l'on arrive sur le premier gap, également après le premier des gaps dans le sens de la montée en octobre. Vous voyez que ça fait 3 semaines, enfin, oui, trois bougies, c'est-à-dire deux intervalles. Où on ouvre systématiquement en gap. Donc, on a à nouveau, à l'heure actuelle, une puissance quand même relativement importante au niveau de l'évolution. On voit par exemple que début 2021, on était aux alentours de 0,90 et on est ce soir, je crois, aux alentours de 1,40. Donc, c'est beaucoup en un temps très court. Donc, premier niveau à franchir. Premier niveau de gap, 1,47, 1,51. Le deuxième niveau important que j'ai indiqué, c'est 1,57, ici, qui est la sortie estimée théorique du nuage par la lagging span. Ça veut dire que, on serait, dans ce cas-là, totalement libre, au niveau des prix et au niveau de la lagging span. Elle serait sortie de son nuage, la tendance haussière serait confirmée et, il n'empêche qu'il y a encore les obstacles de gap et les obstacles de résistance qui vont se dresser devant nous derrière. Donc, le niveau que j'ai indiqué. Ensuite, le gap 1,65, 1,72. Et puis, le niveau de la résistance à 1,95. Alors, on va effectivement assez vite. On reverra tout à l'heure sur la dernière diapo de cette première partie les zones dans lesquelles on est. Tranquille, en zone de confort, et celle qui risque de poser problème. Alors, je vous ai mis là, et sans Ichimoku, pour qu'il y en ait pour tout le monde, l'équivalent du 10 ans, c'est le Bund, donc c'est l'indice des taux d'intérêt en Europe. On retrouve à peu près le même type de situation. Je suis toujours en hebdomadaire. Et en plus, vous voyez qu'on a effectivement une baisse déjà importante à la fin de 2019, puisqu'on est descendu jusqu'à un rendement négatif de moins 0,70, et on est descendu au plus bas en mars, comme pour l'indice US, on est descendu en mars à moins 0,86. Et ça a été le plus bas que l'on ait rencontré. Donc, on y est remonté, on a consolidé cette tendance baissière,
Et on s'est heurté depuis donc à peu près 2 mois, hein, ça fait pas depuis pardon, excusez-moi, depuis près d'un an, puisque là je suis en 2020, excusez-moi, depuis près d'un an, on s'est heurté à une résistance oblique baissière. Et ce n'est qu'il y a 3 semaines que l'on a franchi cette oblique de manière extrêmement violente, puisque on a franchi l'oblique, on a franchi ici le niveau de résistance à moins 0,40, et surtout, on a ouvert un gap relativement important qui a enjambé la résistance. Donc là, comme pour les taux américains, on a une forme de puissance de remontée des taux européens, et je n'ai pas mis de graphique, mais aujourd'hui, le 10 ans français, l'OAT 10 ans, est repassé positive, pas de manière importante, mais ça y est, on est repassé en zone de taux positif. On était descendu jusqu'à moins de mémoire, hein, de moins 0,4, moins 0,4, moins 0,5. Et là, eh bien, on retrouve une zone positive et également, comme pour le Bund, une tendance qui, à court terme, est en train de devenir haussière. Alors, les niveaux à suivre, au niveau donc de l'indice Bund, c'est l'indice allemand en fait, hein. Alors, le premier niveau, qui est un niveau de polarité, c'est-à-dire un niveau qui, en septembre 2016, a fait support et qui, en février 2020, a fait résistance. Niveau important, hein, on est à moins 0,180. Juste au-dessus, on a un gap comme pour l'indice US. Vous voyez que la descente s'est faite avec pas mal d'ouvertures de gap. Hein. J'ai mis uniquement ceux, j'ai laissé ceux qui n'étaient pas comblés. Mais il y en a un certain nombre qui sont comblés. Un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. C'est quand même pas fréquent que l'on ait 4 gaps qui se succèdent de semaine en semaine. La baisse a été violente. Donc, niveau suivant, moins 0,13, moins 0,10, et ensuite un niveau qui eh bien, nous rapproche tout gentiment du zéro. Donc, on a encore, avant d'arriver à zéro, on a encore un certain nombre d'obstacles, et des obstacles pas négligeables à franchir, mais là, le pli semble être pris. Alors, pourquoi? On va essayer de regarder. D'abord, quelle est la raison de la montée de ces taux? Quelle est la raison des anticipations d'inflation? Et quels sont les risques, quels sont les niveaux, notamment au niveau des taux, essentiellement américains, qui peuvent avoir des incidences fortes sur les marchés? Alors, la première raison, a priori, c'est le plan de relance du président Biden. Mais vous avez vu que la hausse des taux a démarré au mois d'octobre, c'est-à-dire un mois avant l'élection américaine, à une période où on était, donc on se rapprochait, et les sondages étaient très favorables, et même largement favorables à l'époque au candidat Joe Biden. Et donc son plan, qui a été regardé par les investisseurs de manière beaucoup plus précise. Et c'est là que, eh bien, un certain nombre de craintes ont commencé à surgir. Et pour l'instant, ces craintes n'ont pas été apaisées. Je rappelle qu'à cette époque, on parlait plutôt d'un plan de 3 000 milliards de dollars. Après, on est passé à 2 000 milliards. Après les élections, on est tout d'un coup descendu de 1 000 milliards. Et puis finalement, ce qui se discute actuellement à la Chambre et au Sénat, c'est un plan de 1 900 milliards destiné essentiellement à soutenir le niveau de vie des Américains. Alors les craintes, c'est l'ampleur déjà. Pour vous donner quelques chiffres, ce plan représente 14% du PIB US. Et surtout, 3 fois la perte d'activité de la période de pandémie. Alors, il faudra d'abord réussir à placer cette nouvelle dette
qui est très importante, en sachant déjà que depuis, je crois que ça fait 1 an ou 2, hein, minimum, que la Chine et la Russie, qui étaient les gros acheteurs traditionnels par le passé de bombes américains, ont non seulement décidé de ne plus en acheter, mais ont petit à petit revendu les bombes qu'ils avaient. La Chine, de mémoire, avait 4 000 milliards de dollars de bonds américains. Ils n'en ont plus aujourd'hui que un. Donc, ils ne sont pas prêts de racheter. Ils sont plutôt en train de se débarrasser. Donc, 1 900 milliards de dollars, il va falloir les placer sur les marchés internationaux. Le deuxième point qui est lié à ça, eh bien, les acheteurs, eh bien, ils vont pas donner leur argent comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant. On verra que on est en train de, au niveau des marchés, au niveau des acteurs, des investisseurs, on est plutôt dans une vision, une réflexion post-pandémie. On estime que le gros est largement passé, que aux États-Unis notamment, le nombre de nouvelles contaminations est orienté à la baisse, et globalement, les vaccinations avancent à un rythme tout à fait convenable, et on entend largement dire de la part des observateurs que d'ici la fin du troisième trimestre et le quatrième trimestre, eh bien, le pays pourrait être réouvert complètement. Donc, il n'y a plus de raison à ce moment-là de prendre de telles précautions pour sauvegarder sa monnaie si tout repart. Donc, les acheteurs vont vouloir faire payer aux US leurs besoins, d'autant que ben, cela fait significativement monter un endettement qui est déjà colossal, qui est, je crois, de l'ordre de 18 ou 19 000 milliards de dollars. Mais là, entre le besoin courant et le besoin nouveau, ça fait lourd. Donc, l'endettement va être encore plus important. Donc, la prime de risque que vont légitimement demander les acheteurs, eh bien, elle n'est certainement pas usurpée. Et puis, donc, cela arrive à un moment où les investisseurs anticipent une montée de l'activité dans le cadre d'un retour à la normale post-pandémie et craignent une surchauffe de l'économie. Alors, les craintes concernant un retour de l'inflation, donc l'anticipation de retour à la normale, donc réouverture des économies anticipées par les marchés, du fait de la baisse du nombre de cas et la progression des vaccinations, une demande déjà effective aux USA. La consommation des ménages américains a augmenté de 5% en janvier. Une augmentation très importante des réserves accumulées durant la pandémie, à la fois de la part des particuliers, justement par le biais des différents plans de soutien que l'État américain, l'État fédéral et les États ont apportés aux particuliers, et les entreprises également. Qui ont également obtenu des aides et qui ont pour le moins maintenu leur trésorerie. Donc, l'ensemble de ces réserves accumulées, on peut tout à fait imaginer qu'une partie va se retrouver sur le marché avec une demande là aussi légitime de la part des particuliers qui ont vécu depuis 1 an environ, pratiquement sans sortir, sans dépenser. Donc, cela pourrait entraîner donc une forte demande de biens et de services. On peut faire un petit parallèle à l'instant avec ce qui s'est passé en Europe d'abord et dans le monde à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, le pays ne connaissait pas, dans la période moderne, une période aussi longue, hein, 4 ans, de guerre, de privation, de mort. Etc. D'autant plus qu'à la fin de la guerre, il y a eu un deuxième fléau qui est arrivé, qui a été la grippe espagnole, qui a entraîné la mort de 50 millions de personnes en Europe. Et quand ces deux fléaux ont été éradiqués, qu'est-ce qui s'est passé? Les années folles. Les années folles, c'est-à-dire une frénésie de sortie, d'envie de vivre et de dépenser. Alors, est-ce que les choses se passeront de la même manière cette fois? Mais il est légitimement à nouveau à attendre que la confiance revenant, les possibilités de sortie augmentant, eh bien, il y ait une forte demande de biens et de services. Et puis, on va le voir tout à l'heure sur un graphique, une hausse qui est déjà effective des matières premières industrielles
Et également, ça c'est conjoncturel, mais ça pèse aujourd'hui, on verra que ça pèse sur le Nasdaq, une demande, une pénurie en termes de semi-conducteurs. Donc on a en fait plusieurs éléments qui aujourd'hui sont les moteurs habituels d'une reprise d'inflation, à savoir donc une demande que l'on attend de biens et de services de la part notamment des particuliers très importante, donc les commerçants, les sociétés de gros vont en profiter pour augmenter leurs prix puisqu'il y a de la demande. La deuxième chose est les matières premières industrielles donc, ont augmenté et vous allez le voir, j'ai pris un indice qui est français, mais ça n'a aucune importance, j'aurais pu prendre un MSCI World, ça aurait été la même chose, une hausse très significative des matières premières, donc une hausse des prix de revient industriels, donc une hausse des prix de gros qui sont plus que répercutés au niveau du détail. Donc on a aujourd'hui tous les ingrédients d'un redémarrage, on ne sait pas du tout dans quelle proportion, de l'inflation. Souvent la difficulté, c'est que lorsque des mouvements comme ça s'engagent, comme ceux, on va le voir, des taux d'intérêt, il peut se produire un phénomène d'entraînement et qui fait que eh bien, le système économique peut sortir de tout contrôle. Donc l'indice des matières premières, donc c'est un indice français, hein, des sociétés qui traitent du secteur des matières premières. Donc c'est un graphique qui est hebdomadaire et qui remonte ici à 2018. Donc première période stable, hein, un range, on casse le range, on revient dans un range plus bas, pratiquement c'est le report du premier range vers le bas. Une tentative de redémarrer en direction du range précédent, et puis février-mars de l'année dernière, une chute très importante, puisqu'on est passé en un mois d'un indice qui était aux alentours de 2050 à 1300, c'est-à-dire une baisse de 60%. Et depuis, regardez à quelle vitesse cela remonte, puisque depuis mi-mars, on est passé de, oui, même pas la mèche, même pas 1300. Et on est revenu à 2170. On s'aperçoit qu'on est revenu, à un niveau qui était supérieur à celui d'avant la pandémie, et deux, on est sur quasiment un niveau historique. Donc on a aujourd'hui des matières premières qui sont chères, donc les prix de gros sont en augmentation, et ça va forcément se traduire au niveau des prix au détail. Alors, l'ensemble, donc, on l'a vu, l'ensemble de ces éléments, donc, c'est des facteurs d'inflation, hausse des prix gros des produits industriels, du fait du prix des matières premières, des pénuries dans le secteur des semi-conducteurs et la hausse de la demande. Et puis, donc, cet excès de demande, donc, qui est entraîné par l'évolution naturelle du fait de sortir d'une crise, plus ce qui va être mis sur le marché, à la consommation donc, provenant du plan Biden. Donc, c'est un facteur de surchauffe du système économique et donc une augmentation des prix de détail. Après, la question est de savoir si on reste seulement dans une vision de surchauffe ou, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, si on ne risque pas de rentrer dans une situation de manque de contrôle complet. Et puis, ces deux phénomènes, la hausse des taux d'intérêt et l'inflation, s'entretiennent mutuellement. Donc, et on va le voir, la raison aussi, on va le voir, donc quant à la conséquence de la hausse des taux d'intérêt. Alors, au niveau des entreprises, eh bien, c'est une hausse des taux payés sur l'endettement long terme, notamment pour l'investissement. Donc, plus les taux d'intérêt sont élevés et plus les entreprises ralentissent des programmes et ralentissent des programmes, d'où conséquences négatives pour les fabricants d'immobilisation, les fabricants de machines-outils, et puis bah, baisse de la rentabilité puisque les frais financiers augmentent. Et puis la conséquence au niveau des marchés, actions notamment, donc baisse de la rentabilité attendue, donc baisse des cours. Et puis on risque également de voir un transfert de marché actions vers des marchés obligations qui seraient favorisés par une hausse des taux,
Si effectivement on peut placer, acheter des obligations de première qualité, voilà, chercher le mot investment grade, c'est-à-dire avec un risque quasiment nul, avec des taux d'intérêt, on verra, de 2-3%, eh bien, pour de la sécurité, eh bien, c'est parfait. Et puis, ça peut poser aussi un problème quant au marché obligataire lui-même. Si vous mettez sur le marché des nouvelles obligations qui sont mieux rémunérées que les anciennes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le prix des anciennes obligations va baisser, puisque quelqu'un qui achèterait, qui aurait donc en fait l'opportunité soit d'acheter des obligations nouvelles, par exemple à 3%, et des obligations anciennes, eh bien, il va demander à avoir du 3%. Donc, il va faire une proposition d'achat à un niveau de prix qui va lui permettre de toucher ses 3%. Donc, ça peut donner une baisse des anciennes obligations, comme les obligations d'avant 6 mois ou 1 an. Et là, qu'est-ce qui peut se passer? C'est le dégonflement d'une espèce de bulle où les obligations elles-mêmes étaient chères, puisque eh bien, il y avait une recherche de sécurité, ou est-ce que c'est une correction d'excès? Mais là, il va y avoir clairement un problème, parce que ceux qui sont détenteurs d'anciennes obligations vont voir leur patrimoine baisser. Et la seule solution que les propriétaires de ces anciennes obligations auront pour s'en sortir, ben, c'est d'attendre d'arriver à l'échéance où ils seront remboursés au nominal. Mais aussi les obligations qu'ils ont achetées à 100 se retrouvent aux alentours de 80, 70, eh bien, ils vont perdre 20 à 30 % de leur patrimoine. Et ça peut poser des gros problèmes pour des fonds qui ont des fonds obligataires, ou des fonds qui ont tout simplement une part de leurs investissements relativement important au niveau des obligations. Donc, ça pose un vrai problème, la hausse des taux d'intérêt. Et puis, au niveau des particuliers, eh bien, c'est une réduction de la capacité d'endettement, notamment pour l'immobilier, puisque on calcule votre capacité d'endettement au fait que, eh bien, les remboursements mensuels représentent une part généralement d'un tiers de votre revenu. Et puis, pour les particuliers qui ont un portefeuille obligataire, eh bien, c'est une baisse de la valeur de leur portefeuille, c'est une baisse de leur épargne. Voilà. Alors, dernier graphique sur cette partie, hein, cette première partie. J'ai fait un travail alors qui est strictement personnel, qui n'engage strictement que moi. Et c'est une étude que j'ai faite sur les taux d'intérêt long terme américains. C'est exactement le graphique que l'on a vu au tout début de la séance. Et j'ai essayé d'étudier et de regarder quelles seraient je dirais, les conséquences. Et quelles seraient les zones qui eh bien, poseraient problème? Vous voyez que dans la baisse qui date de 2019, hein, je vous parlais de taux d'intérêt, effectivement, on était à 3,25, 3,30 hein, en 2018, on a eu une baisse et pendant une période en gros, de juillet-août 2019 à mars 2020, donc pendant 6 mois, on a été en consolidation horizontale. Et après, on a cassé avec comment dire, les gaps qui se sont ouverts à ce moment-là. Donc en fait, j'ai fait 3 zones. Une première zone qui est jusqu'au niveau de consolidation, qui correspond, dont le bas correspond également à le bas d'un des gaps baissiers, et puis donc le haut de ce range. Le premier niveau, il est aux alentours de 1,45%. Le niveau supérieur est à 1,94%. Et le troisième niveau est à 3,25%, comme je l'ai dit tout à l'heure. La première zone, globalement, les conséquences seront, à mon sens, je dirais, relativement à la marge, parce qu'il n'y aura pas un conflit trop important encore entre des obligations anciennes qui baisse certes, mais bon, j'ai pas mis de courbe d'obligation. Pour l'instant, la baisse est quand même relativement contenue. Après, on a ce que j'ai appelé un peu une zone d'équilibre,
sur laquelle, en gros, donc je dis entre 1,45 et en gros 2%, sur lequel bien, on doit s'attendre normalement à revenir dans cette zone. C'est une zone un peu naturelle, puisque, comme je l'ai indiqué, vous avez une inflation aux alentours de l'inflation core aux alentours de 1,4, une inflation normale aux alentours de 1,6, et que vous puissiez, si vous vous endettez à long terme, avoir quand même un rendement réel qui soit positif. La troisième zone, c'est globalement entre 2 et 3%, et évidemment au-delà, où là, surtout si on a une montée au rythme où on est actuellement, c'est là où eh bien, que les risques, on a les risques véritablement d'emballement du moteur, d'emballement du système, et surtout une grosse difficulté ou une quasi-impossibilité à contrôler, parce qu'il n'y a pas véritablement de structure, d'outils, de contrôle des taux long terme. Autant ils existent aujourd'hui et ils fonctionnent très bien au niveau des courts termes grâce aux banques centrales, et l'audition du président de la Fed, de Jérôme Powell, ces derniers jours, à la fois auprès de la Chambre des représentants et du Sénat, il a indiqué, et le fond de son discours, c'était d'expliquer que la Fed ferait tout ce qui serait en son pouvoir, comme elle l'a fait jusqu'à maintenant, pour continuer à déverser de la monnaie au niveau des marchés. Elle le fait jusqu'à maintenant, elle n'a pas arrêté, et malgré tout, les taux long terme continuent à monter. La Fed n'a pas, ni dans son objectif, ni dans son mandat, d'outils, de moyens pour travailler véritablement sur du long terme. Le seul éventuel serait que eh bien, les acteurs, notamment bancaires, utilisent ce surplus de monnaie pour se décharger de leurs obligations auprès justement de la Fed, et on aurait la Fed qui commencerait à se charger des obligations qui ont commencé à commencer à baisser fortement, et c'est la Fed qui, par sa distribution de monnaie, pourrait ou pas, parce qu'il faut rappeler que le plus gros marché du monde, c'est quand même le marché obligataire. Est-ce que la Fed et la BCE, avec leurs moyens, seront capables d'absorber une part significative du stock actuel ou du stock d'attente il y a moins de 6 mois? Des obligations. Ça, c'est une grosse question. Et le point est, plus on montera au niveau des taux, hein, plus eh bien, ceux qui ont acheté pendant la baisse deviendront de plus en plus nombreux. Et donc, plus on montera, plus il faudra remettre d'argent dans le secteur, et plus il y aura d'investisseurs qui vont se trouver piégés. Donc voilà pour cette première partie. On fait une toute petite pause. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc n'hésitez pas sur le chat. Sinon, on va passer à la partie numéro 2 et la numéro 3. Je vous laisse un instant et je vous abandonne une petite minute le temps que vous posiez vos questions. Voilà. Alors, Michel me demande
De combien les marchés européens seraient-ils dès lors survalorisés? Alors ça, j'avoue, je ne suis pas du tout capable de répondre à cette question. Et je pense que personne aujourd'hui ne peut véritablement envisager, parce que il n'y a pas une corrélation mathématique. La bourse, il y a un phénomène également d'emballement, un phénomène moutonnier, et je ne vois pas véritablement de moyens, d'autant plus qu'il y a plusieurs phénomènes qui risquent comment dire, de se cumuler, hein, à la fois bah, des baisses, des problèmes obligataires. Donc c'est, je pense qu'il n'y a pas d'algorithme qui permettrait comme ça de pouvoir déterminer cette baisse. Jean-Marie, c'est gentil, propos toujours captivants, mieux qu'un cours de fac. Je n'ai jamais enseigné en fac, donc je ne sais pas. Alors, Olivier me demande, d'après votre graphique, vous évaluez le départ fin 2021. Alors, est-ce que vous parlez des taux d'intérêt? Si c'est les taux d'intérêt, Olivier, vous avez pu constater que depuis 6 mois, c'est déjà bien parti. Et c'est pour ça aussi que je vous ai proposé, c'est tout à fait personnel comme je vous l'ai dit, effectivement, les zones, excusez-moi, un peu les 3 zones et des conséquences, en indiquant que la première zone, ben, c'est pas grand-chose. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, on monte, mais les marchés boursiers, eux, pour l'instant, ils continuent à monter parce qu'il y a d'autres phénomènes qui permettent aujourd'hui encore de compenser, en particulier les injections monétaires, hein, et puis la fin de la pandémie. Donc, et l'espoir de retrouver une activité économique normale font que, eh bien, les marchés actions ignorent le problème. Bon, jusqu'à quand? Alors, fin 2021, peut-être. Et peut-être Olivier en reparlera à la fin de l'année ou avant. Excusez-moi encore. On peut imaginer, pour répondre à votre question, de garder les 3 zones et de suivre ce qui se passe dans chacune des zones. De toute évidence, enfin, certainement pour moi, c'est lorsqu'on sera, par exemple, au milieu de la zone d'équilibre, que l'on aura une compréhension des flux. Des flux de sortie d'action éventuels. Les conséquences au niveau du prix des obligations anciennes et du comportement des investisseurs qui seraient vendre des actions pour acheter de la sécurité. Donc, c'est l'observation qui va nous indiquer à quel moment les choses vont évoluer. Je pense que si on passe les 2%, ça va commencer à avoir un effet d'accélération. Ça, j'y crois, je crois cela. Alors, Claude me dit hausse des cycliques probable. Alors, je suis un, d'accord avec vous. Deux, j'enlèverai probable, puisque la hausse des cycliques a déjà démarré. Il y a deux mouvements qui ont démarré. Un, c'est la hausse des value face au growth, premier point. Et c'est l'augmentation des cycliques. L'augmentation des cycliques se fait à partir du moment où on envisage une amélioration de l'activité. Donc, tous les actifs qui sont extrêmement liés au niveau d'activité, eh bien, eux, ils sont favorisés contrairement aux autres. Ok, bien. Je n'ai plus de nouvelles questions. Je souris, je ris un petit peu de la part d'un des participants qui m'a mis une gentille petite blague en privé. Alors, on va maintenant commuter sur les deux et troisième parties. Voilà, et je passe directement en direct sur la plateforme. Donc, on va regarder en même temps, je veux dire, d'abord, pardon, on va regarder d'abord deux ou trois ou quatre, pardon,
actifs tout à fait significatifs, et puis on va passer aux actions individuelles. Alors, dans quel ordre je vais les prendre? Je vais commencer à aller un peu à tout seigneur, tout honneur par les S&P 500. Alors, on est en direct, hein, c'est-à-dire que là, c'est les cours actuels. Donc, on voit que, eh bien, pour le moment, tout va bien. Je n'ai pas mis, je vais le faire tout de suite, une oblique. Une oblique de résistance au niveau du S&P. Tracez-la sur vos graphiques, hein, si vous regardez le S&P. Elle a quand même, qu'est-ce que je cherche? Je cherche ça. Elle a quand même une certaine importance, puisque, tout simplement parce que, voilà. Parce qu'elle fonctionne bien. Donc, bon, tendance haussière, hein, et on continue à être haussier, avec des consolidations. Donc, on est vraiment au niveau de S&P pour l'instant dans un marché qui est clairement haussier. La dernière consolidation, enfin, les dernières consolidations, on a l'impression que enfin, celles-là sont de plus en plus petites. Donc, pour l'instant, à ce soir, il n'y a aucun élément qui pourrait nous indiquer un retournement de tendance. Pour ceux dont Olivier qui utilise le logiciel VBA, Olivier et les participants, vous voyez que les bandes de Bollinger sont en train de se refermer. On rentre en phase 4. On rentre en consolidation. Donc, on aurait plutôt une anticipation dans la période qui vient, plutôt de progression molle ou très molle ou même de range. Il faudra en particulier regarder ce soir et les autres soirs, regarder la clôture à 22 h du S&P. Alors là aussi, là je m'adresse à ceux qui ont suivi les formations VBA. J'avais expliqué dans ces formations que lorsqu'on était en phase 4 et qu'on n'avait pas de clôture significative pendant la phase 4 et l'éventuel normalement court squeeze qui doit suivre, si on n'a pas de clôture en dessous de la MM20, la probabilité de repartir dans une nouvelle phase, dans une nouvelle impulsion haussière est très probable. Donc, il faut surveiller les MM20. Si dans les jours qui viennent, la MM20 tient ou est juste un tout petit peu cassée en clôture, mais reprise le lendemain, eh bien, on sera toujours sur une vision haussière. Dans le cas contraire, on sera plutôt sur une vision de range avant, espérons-le, un redémarrage haussier. On va regarder quand même notre CAC national. Retrouve. Alors, pourquoi est-ce que je ne le retrouve pas? Ah oui, il est là. Voilà. Alors, je vais en dire, je vais vous montrer, je fais le transfert. Hop. Là. Voilà. Alors, on est en tendance haussière également. Les dernières consolidations, je parle toujours un peu en clôture, donc elles ont été faites aux alentours dans la zone des 5 400. Et depuis la dernière qui a été fin janvier, eh bien, on est en tendance et avec une volonté réellement haussière, puisque vous voyez, se sont succédés. Je vais dire successivement, évidemment, trois gaps haussiers. La question pouvant être, d'ailleurs, de se dire que le premier, c'est un breakaway gap, le deuxième, c'est un gap de continuation,
Et le troisième, ben, n'est-ce pas, un gap d'essoufflement? C'est tout à fait possible, d'autant plus que on va à l'attaque d'un gros gap qui a été un gros gap qui était baissier et qui a été ouvert le 24 février 2020. Et le bas du gap est ici à 5880, et on s'en approche. Et je pense que ça, les choses vont devenir un petit peu compliquées. Et je ne suis pas forcément extrêmement optimiste sur le fait, contrairement à un certain nombre d'observateurs, qui voient le CAC à 6 000 dans un avenir proche. Moi, je ne vois pas à 6 000 dans un avenir proche, sauf si évidemment le S&P explose complètement. Mais comme je m'attends dans la période qui vient à une remontée douce ou une phase de range au niveau de l'S&P, je suis vraiment dans l'esprit d'un range avec des niveaux de support nécessaires, donc qui est la zone des 5 703-5 725, donc qui est le premier gap. Bon, qu'il soit rompu, okay, ça sera pas quelque chose de totalement dramatique. Le deuxième commencerait à être un peu embêtant autour de 5610, 5630. Et puis, théorie de dos, eh bien, si on cassait le troisième et surtout 5004, eh bien, la tendance haussière serait invalidée. On va regarder le gold, alors, qui est assez intéressant. Alors, je vais le regarder en l'hebdo. Voilà. Et je vais le regarder en Ichigo. Voilà. Parce que c'est ça qui est intéressant. Voilà. Voilà. Donc on est depuis 2 ans à peu près, hein, dans une tendance haussière relativement puissante de la part du gold, avec une consolidation qui a eu lieu, bah, toujours sur cette même période pandémie, 17 février, 17 mars. Et depuis, on a un redémarrage du rallye avec de très faibles consolidations jusqu'au l'ouverture que l'on a eue tout début août, vers un plus haut historique aux alentours de 2075 dollars l'once. Et depuis, on est en consolidation. Alors, on est en consolidation avec, en plus, les cours inscrits à l'intérieur d'un canal baissier. Je vais encore un petit peu zoomer. Voilà. Et on arrive sur. Est-ce que je vais lancer, je vais le mettre comme ça. Là, ce sera parfait. Voilà. Et on arrive sur le bas. On est arrivé, du moins en fin de semaine dernière. On est arrivé une deuxième fois sur le bas du gap. Alors, le bas du gap en weekly, d'autant plus que c'est à la fois la SSB et un plat qui joue à 1763. Donc, c'est vraiment un niveau au niveau du gold 1763 à garder véritablement en mémoire. On a également, juste en dessous de ce niveau, entre 1745 et 1763, on a une zone de support, vous voyez, une zone de polarité, puisque la zone, elle a fait résistance, résistance, résistance. On est venu tester le sommet, résistance, re-résistance. Vous voyez, on a eu pas mal de contacts, et ce n'est que au mois de juillet de l'année dernière que finalement on a réussi à s'extirper de cette zone 1745-1763. Alors, quand on est en bas du gap, et autre chose, pardon, importante, c'est que, eh bien, ce niveau de 1763, c'est également la Kijun de la lagging span. Ça veut dire que si on casse ce niveau, eh bien, on rentrera vraiment dans une tendance baissière, 1763, mais surtout
après la rupture de 1745. Et derrière, alors quels sont les niveaux, si on casse effectivement cette zone, quels sont les niveaux à suivre? Vous avez une première zone ici qui est une zone essentiellement de polarité, puisqu'on a eu résistance, on a essayé de passer, et après on a eu une partie support. Donc cette zone, c'est 1670-1690. J'ai mis également les retracements de Fibonacci de rallye hein, depuis ce moment-là. Hein, ici, vous voyez le démarrage. Donc le 50%, c'est la SSB qui plus est. Donc renfort du poids de 1763. Et vous voyez que le 61,8, c'est exactement le haut de la zone de polarité. Donc c'est un niveau vraiment important. Si on casse un 61,8, bien, la probabilité de revenir à l'origine du mouvement, à l'origine de l'impulsion, c'est-à-dire aux alentours de 1450, prend vraiment de la force. Alors, on a un niveau encore d'arrêt éventuel aux alentours de 1600, 1610, mais si on casse le 61,8, ça commencera à pas sentir bon. Après, eh bien, si l'or repart vers le haut, il faudra d'abord un qui sorte du canal, ce qu'il a essayé de faire en échec ici. Ensuite, il faudra qu'il arrive à casser la Kijun, qui plus est, Kijun qui plus est, et je vais le mettre ici. Voilà, la Kijun qui est également, on le voit, une zone résistance, support. C'est en plus une zone de polarité. Donc, ce niveau de la Kijun au A 1880 est un niveau qu'il faut absolument refranchir pour commencer à avoir une vision haussière. Et on sera véritablement rentré en zone haussière lorsque la lagging span, elle, aura refranchi. Parce que si l'oblique est un obstacle pour les prix, c'est aussi un obstacle pour la lagging span. Donc, il faudra qu'elle franchisse ce niveau-là, d'autant plus que, alors là, je m'adresse à ceux qui ont suivi la formation VBA maintenant, notre bande de Keltner, elle est extrêmement élevée ici. Elle est à 1900, elle est proche de 2000. Alors, elle va descendre hein, avec le temps. Mais cette zone 1980, hein, donc, qui est la sortie estimée, je ne peux pas être précis, ça va dépendre du temps, mais cette sortie de 1980 nous emmènerait certainement directement à nouveau vers 2075. Je vais m'arrêter là sur les grands actifs. Donc on est quand même aujourd'hui sur une tendance globalement haussière. L'or est lui dans une tendance baissière parce qu'il a deux handicaps en face de lui. Et je pense que ces handicaps vont continuer. Le premier, c'est un dollar qui est relativement faible. De mémoire, je crois que le dollar index a encore cassé un support aujourd'hui, donc continue à baisser. Il est en train de descendre vers 90 à peu près. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, les taux d'intérêt. L'or ne rapporte rien. Donc, aujourd'hui, plutôt que de prendre des risques sur l'or, qui est un or baissier, ben, il vaut mieux acheter éventuellement du T-note pour avoir un taux d'intérêt positif, notamment au niveau des Américains. Pour les Européens, ça ne vaut pas le coup pour l'instant, puisque le dollar est baissier. Donc, ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre. Mais pour ceux qui vivent et tradent, ont des portefeuilles en dollars, ben, il n'y a aucune raison aujourd'hui d'acheter de l'or. Donc, voilà cette situation, hausse des taux d'intérêt. Pour l'instant, qui ne se remarque pas véritablement au niveau des actions, mais on a vu que ça pourrait changer. On va maintenant rentrer à la fois, alors je les ai mis dans un ordre, qui est à la fois les demandes et à la fois ceux que je vous propose de regarder. Alors, Air Liquide. Air Liquide, je l'ai mis en Ichimoku, je ne sais pas si c'est très nécessaire, on va voir. Un peu de recul. Je vais mettre un peu aussi. Le graphique. Je vais mettre le bandeau. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Alors, Air Liquide, actuellement, était très haussier. On a eu au mois de novembre a été un mauvais mois, d'ailleurs, de manière générale, au niveau des actions. Moi, je suis en hebdomadaire, hein, ici. Hein,
rappelle. Pardon, là, c'était le mois de février, excusez-moi. Donc, c'était la baisse février-mars. Et depuis, on a eu un très beau rallye, jusque 140 et des poussières de mémoire, 144. Et depuis, ben, on est en consolidation. On a tenté de repartir, mais on a eu ici une très vilaine bougie qui a annoncé ben, un redémarrage de la baisse. Et on a cassé, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, un niveau important qui était à 129. Et vous voyez que on est aujourd'hui sur la bougie hebdomadaire au plus bas. Ça veut dire que eh bien, c'est le plus bas de la clôture d'aujourd'hui. Donc, Air Liquide, quels sont les niveaux à retenir? Le premier niveau, c'est la zone ici, la zone 125, 123, pardon, la zone 123, 124. Donc, il y a une zone, j'aurais pu la tracer mieux, ce que je vais faire là. Voilà. Voilà, c'est cette zone-là. Donc, qui est la première zone d'atterrissage et qui peut être une zone de rebond. Sur des actifs comme Air Liquide, actuellement, je ne cherche pas trop de ventes. Je cherche plutôt des achats sur repli parce que, un, probablement cette année, il va y avoir une distribution d'actions gratuites. Je crois que ça a déjà été annoncé. Et deuxième point, la tendance de fond, elle est quand même haussière. Donc, quand on est sur une tendance haussière et qu'on est sur des actifs comme Air Liquide, qui sont plutôt des actifs de PEA, des actifs de moyen long terme, je suis plus tenté de chercher des rebonds. Et ce que j'appelle un rebond, c'est effectivement une figure de retournement qui soit très claire. Donc, Air Liquide, j'ai donc première zone éventuellement d'atterrissage, deuxième zone possible 119, et troisième zone 115-40. J'ai peut-être mal vu ici. Donc 119,25, oui, c'est à peu près ça. 115,40, et puis en dessous, 112,80. Donc, moi, j'attends tranquillement une possibilité d'investir quand j'aurai une figure de retournement. Alors, Kering, c'est quelque chose qui m'a été demandé. Alors, le luxe, bon, c'est toujours une valeur sûre. Kering est peut-être une de celles que actuellement j'aime le moins pour plusieurs raisons. La première, eh bien, c'est qu'elle n'est plus sur des niveaux historiques hauts, des hauts historiques, alors que LVMH et Hermès sont sur des plus hauts historiques. Elle consolide un tout petit peu en ce moment, mais sont sur des plus hauts historiques. Et comment elle s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom de la maison mère la maison mère de. Ah, j'ai oublié le nom. Donc, est en phase de reprise. Donc, Kering, je ne l'aime pas. Voilà. Je pense que sur le luxe, il y a mieux à faire avec celles qui sont en train de tutoyer des plus hauts et qui seraient achetables sur repli. La deuxième raison, c'est que je pense qu'il y a un caractère structurel au niveau de Kering, du fait de la forte montée depuis 2-3 ans ou 3-4 ans de Kering a été due aux résultats, à l'évolution des résultats de Gucci. À Gucci, les bénéfices ne peuvent pas monter jusqu'au ciel non plus. Et là, eh bien, ils montent plus. Il devient un peu plus compliqué. Donc, Kering, aujourd'hui, dont le cours et les résultats dépendent beaucoup de Gucci, n'est pas dans une bonne situation. Alors, de la même manière, je vous ai indiqué ici quels étaient les niveaux de ce qu'on pourrait appeler ou espérer l'atterrissage. Je dis bien espérer parce que ben vous voyez que la bande de Bollinger Basse, elle est bien orientée vers le bas. La MM20, elle est déjà passée baissière. Donc, vous avez une première zone ici entre 510 et 515. Première zone de, vous voyez, une zone de support, une zone de polarité importante, hein, qui a été travaillée à de nombreuses reprises. La deuxième zone en dessous, si ça ne tient pas, eh bien, c'est 400, je me rapproche, hein, 494, 497. Et en dessous, 476, qui est un niveau très fort également. Bon, j'ai pas mis le niveau en dessous, j'aurais pu, hein,
Et c'est la zone 416, 406, dernière zone 416, 406. Donc, bon, le luxe est quand même un secteur, on est en tendance actuellement depuis, on est en hebdomadaire là également, depuis un an, on est quand même en tendance haussière. Ce à quoi il faudra faire attention, c'est la chose suivante. C'est, j'ai toujours la théorie de Bow. J'ai un plus bas, un plus haut, un nouveau plus bas, plus haut, un nouveau plus haut que le précédent, un nouveau plus bas, plus haut que le précédent, un renouveau plus haut que le précédent, plus haut, un plus bas, plus haut que le précédent. Et puis, depuis, on a fait un nouveau plus haut, mais pour l'instant, on est en train de se rapprocher du précédent plus bas. Si on casse la première zone que j'ai indiquée tout à l'heure, hein, autour de 500, 500, 500, 510, 515, on va se trouver dans une situation où la tendance ne sera plus haussière. Donc on va passer en tendance neutre. Et si on casse le niveau que j'ai indiqué tout à l'heure comme important à 477, ben si on casse, on sera en train de rentrer en tendance baissière. Donc, il faudra à ce moment-là regarder plutôt vers le bas. Alors, j'ai Gossin dans la suite qui est également une des demandes. Celle-là, elle est également en hebdomadaire. Donc, on sort, oui, en hebdomadaire, pardon. Donc, on sort actuellement d'un très beau rallye, un très beau rallye haussier qui a commencé en juillet de l'année dernière, qui s'est ouvert par un gap. On a ouvert un deuxième gap avant la fin novembre. On est monté en clôture hebdomadaire à 13, à 13 euros. On venait quand même au démarrage il y a quelques mois de 1,20. Et même un peu en dessous, hein, 1. Ce qui fait que les cours ont été multipliés quasiment par 13. Là aussi, les cours ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, depuis ce plus haut, il est important de regarder les bougies. Vous avez une belle verte suivie d'une très belle rouge. Ça veut dire qu'ici, on a eu les dernières entrées. C'est un petit peu pour, je ne sais pas bien traiter ce phénomène, mais on peut éventuellement envisager qu'en Elliott, on ait eu une phase 1, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Et quand on a une bougie comme ça, c'est tout à fait classique des fins de tendance, de ces vagues 5, qui font que tous ceux qui sont rentrés dans cette bougie, ben, c'est un peu ceux qui ont payé pour la sortie de ceux qui étaient rentrés au début. C'est pour ça que on est entré en consolidation. On voit néanmoins que malgré tout, on est actuellement en range entre 9,20 et 11,10. Tant qu'on est dans ce range, bon, tout va bien. Enfin, tout va bien. Tout ne va pas mal. On a quand même cassé une oblique haussière également. Donc, on est dans une zone de risque. Mais la rupture du bas de ce range, lui, nous emmènerait directement sur la dernière zone de gap, donc entre 7,60 et 7,95. Et en dessous, bien, à nouveau problème comme tout à l'heure. On est en train de rentrer en phase 4 des Bollinger actuellement. Vous voyez, la bande de Bollinger, elle est basse. Elle est plate, donc la zone de la MM20 qui va continuer pas longtemps à monter, il faudra pas trop la casser. Donc Gossin, c'est peut-être un peu attention. Si c'était moi, si on cassait ce niveau-là, et si j'étais rentré il y a plusieurs mois, je prendrais quand même par précaution une part de mes bénéfices. Pas tout forcément, mais une part de bénéfices. Heineken, c'est un élément tout à fait intéressant. Et c'est intéressant, je suis en quoi là en semaine, mais je vais d'abord la mettre. C'est en Ichimoku, je vais la voir. Et c'est, alors en Ichimoku, au passage, vous voyez qu'on est dans le nuage, mais qu'on est exactement ce soir sur un plat qui joue. Donc un niveau, un
peu déterminant. Je voulais passer en quotidien. Voilà. Je voulais passer en quotidien. On va voir que c'est très intéressant. Voilà. En quotidien, on a un niveau qui est à court terme tout à fait déterminant. On voit bien, l'on a un plat de SSB aligné avec un plat de kitchen. Donc c'est un niveau tout à fait déterminant à 80 à 85 euros. On voit également donc, que l'on est sous nuage. On voit que la lagging span est en train de tester un peu le, surtout ce soir, le bas du nuage. On a une Tenkan qui, elle, est sortie du nuage. Donc on a aujourd'hui tous les ingrédients de la poursuite de la baisse. Je rajouterai en plus, cerise sur le gâteau, que la bougie du jour est un marubozu et on a clôturé au plus bas de la journée. La bande de Bollinger basse est ouverte et la bande de Keltner est passée au-dessus de la bande de Bollinger. Donc on a actuellement tous les ingrédients d'une poursuite de la baisse. Alors une poursuite vers 81,60, puis 79,20. Le niveau d'invalidation, il est juste au-dessus de cette bougie rouge, c'est-à-dire à 87,21. Voilà, pas plus sur celle-ci. Le CAC, on l'a vu, le Gold, on l'a vu, Airbus. Airbus, là, on est en daily. On est, depuis quelques jours, on était très bien reparti. Depuis fin janvier, hein, le mois de février, puisqu'on est passé de 81 au plus haut ce matin, 104 euros. Donc on a pris 30% en 3 semaines. Donc super. Ouverture également, mouvement très propre, hein, avec un gap haussier. Donc parfait. Par contre, on a bien franchi le gap baissier du 9 mars et on a juste au-dessus le gap du 6 mars, qui est donc entre 105 et 106 euros. Et là, aujourd'hui, patatrac, on n'arrive pas à franchir. Donc, les scénarios possibles. Le premier, c'est qu'on arrive quand même à franchir. Et là, derrière, niveau au-dessus, 109. Je ne sais pas si j'ai indiqué les niveaux bien au-dessus. Oui, pardon. Oui, je les ai mis, excusez-moi. 109, 114, 122, 122,5. Je reviens là-dessus. Donc, voilà les 3 niveaux. Si effectivement on repart vers le haut demain et on aura en plus amélioré, si ça continue et si on va vers le franchissement, on aura un niveau de stop qui sera juste en dessous de la bougie d'aujourd'hui. Dans le cas où cette bougie, eh bien, c'est un renoncement de la part des acheteurs, eh bien, le risque c'est de recasser la zone de gap, casser 96, et là, eh bien, on reviendrait sur cette zone ici, qui est à la fois une zone de SSB, c'est une petite zone, hein, 89,8, je vais aller jusqu'ici, voilà, 89,8, 88,4. Alors ça, c'est une demande d'un des participants qui est Osimino. Alors Osimino, c'est en fait relativement proche du graphique de Gossin. Donc, de la même manière, depuis le début de l'année, un très beau rallye, hein, qui nous a amené de 7, 7, 7, 7, 0, 6 à 15, donc plus que doublement. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc-là. Là, c'est une altération du nuage. Je n'arrive pas à le supprimer. Et Osimino, donc, on est arrivé sur une zone de plus haut historique avec un plus haut en clôture à 15. Et depuis, alors on n'est pas comme Gossin où on a fait une consolidation un peu significative. Là, on est immédiatement rentré en range entre
12,60, oui, 12,60 et 15. Et pour l'instant, on est au niveau du range. Je pense qu'on va y rester, à mon avis, quelques temps. Pour des sociétés de cette taille, de cette société type un peu tech, les rallyes se font à l'annonce des mauvaises nouvelles, les grosses baisses, des bonnes nouvelles, pardon, et les grosses baisses se font au cours des mauvaises nouvelles. Et puis, entre les deux, eh bien, il est assez fréquent que l'on vive des périodes de range. Et c'est, à mon sens, ce qui est en train de se passer pour Holz et Miller. Olivier me demande 13,95, c'est une alerte sur prix ou support? Pour moi, le range, hein, il est, Olivier, il est entre 12,60 et 15. Le niveau intermédiaire, c'est un niveau essentiellement ouais, c'est de polarité et résistance, enfin plutôt support tant qu'on est au-dessus. Ce que ça veut dire, c'est que si on casse le niveau de 13,95, vous augmentez très fortement la probabilité de revenir à 12,60. Pardon, ce niveau, il est placé pas tout à fait, ouais, il est placé un petit peu au-dessus du milieu du range. Donc, si on casse ce niveau intermédiaire, la probabilité est de revenir sur le bas du range, qui est théoriquement, si on reste à l'intérieur, eh bien, qui est théoriquement un prix d'achat pour revenir vers le haut. L'impression que j'ai, c'est qu'on est plutôt dans un range 13,95, 12,60, que dans un range 12,60, 15. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on veut aller titiller le haut du range, la sanction, vous voyez cette très laide bougie, ben, la sanction, elle est immédiate. On a vraiment d'aimant qui nous amène vers ce niveau. Et vous voyez également, pour ceux qui pratiquent ici beaucoup, que l'on est juste au-dessus sur la Tenkan plate, ce qui veut dire que l'on est pour l'instant relativement bien en harmonie avec le cours. Airbus. 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 Et je l'ai vu, non, pardon, excusez-moi, Airbus, je l'ai vu, pardon. Schneider. Schneider, donc on est également en tendance haussière. On est au-dessus du nuage, au-dessus de tout. On est dans une figure qui est une figure d'essoufflement. Hein, vous voyez, c'est une espèce de biseau d'essoufflement. On retrouve cette notion d'essoufflement. Par le fait qu'on est venu d'abord ici tester la quiche jaune une fois, la quiche jaune deux fois, et puis on est venu tester le nuage. Alors là maintenant, deux solutions, on repart. Vous voyez que on a bien hésité à rester à l'intérieur de ce biseau, de cette figure d'essoufflement. On n'arrive pas à repasser la quiche jaune, qui est à 125, 125 combien? 125, 28. Qui est également un niveau de polarité. La logique serait que si on arrive à franchir ce niveau en clôture, eh bien, on irait vers le haut du biseau d'essoufflement. Alors, combien, je ne sais pas, en espérant que pendant la hausse qui est probable, la bande de Bollinger ici va s'ouvrir et que la bande de Kettner va passer en dessous, ce qui est nécessaire. Donc, objectif, en cas de franchissement en clôture de la quiche jaune, le haut de la figure d'essoufflement. Qu'est-ce qu'il me reste? Si je vais regarder Ubisoft, ça fait déjà 1h15, je vais regarder Ubisoft, je n'en étais même pas rendu compte. Ubisoft. Alors, je voulais regarder Ubisoft pour la raison suivante. Je peux le mettre, mettre comme ça. Je vais peut-être passer en hebdo. Je vais peut-être passer en hebdo. Peut-être passer en hebdo. On verra peut-être mieux. Ouais. Ah oui, c'est absolument en hebdo qu'il faut la regarder. Voilà. Voilà. La question sur Ubisoft, pour moi, c'est. Ben, parce qu'on est mal parti, hein.
On est en 3 semaines, on est passé de 80, 87, 88 euros, on est passé à 68. Donc on a perdu 30%, et puis avec des bougies hebdomadaires qui sont très engageantes. Alors jusqu'où on peut aller? Alors le premier niveau d'éventuel atterrissage, d'abord on est dans une tendance haussière. L'objectif pour moi, si on a une vision patrimoniale, d'investissement à moyen long terme, PEA, moi, je rechercherai pas de vente pour l'instant, je rechercherai plutôt des achats sur repli. Donc, il faut trouver les niveaux ou les zones de repli. Alors, la première zone, elle n'est pas loin, on y arrive, et elle est importante, puisque c'est la zone entre 65 de mémoire, 65,07 et 65,97, qui est une zone de polarité très puissante. Vous le voyez ici, support, support, support. On a essayé de casser le support et on a fini ici par clôturer la semaine pile poil en bas. Enfin, il n'était pas encore créé, hein, ce niveau de, cette zone de polarité. Support, enfoncement. On revient là véritablement tester, reteste ici, reteste pendant longtemps, reteste encore ici. Donc ce niveau est très puissant. Donc si on arrive à avoir une figure de retournement, excusez-moi, il faut vraiment que je boive un peu, si j'ai encore plus, excusez-moi, sinon je ne vais pas terminer. Ma gorge ne va pas terminer. Voilà. Donc, cette zone est une zone tout à fait possible de retournement, support, sachant que pour envisager une position acheteuse, j'attendrai évidemment d'avoir une figure de retournement. Et les objectifs, eh bien, le premier niveau objectif, c'est cette zone-là, qui, elle, est une zone de résistance, qui est entre 72,8 et 73,4, puis 75,2 et 78,3. L'intérêt, hein, bon, on en a déjà parlé, de pouvoir capter une figure de retournement, c'est que vous avez un niveau de stop qui est généralement excellent. On peut regarder rapidement Total qui m'a été demandé, mais qu'on traite très souvent. Donc, on voit donc la grande baisse, je suis toujours en semaine. Donc, la grande baisse qui avait commencé avant le mois de février de Total, où on est passé de 50 à très bas, le très bas étant à 21, donc une perte de 60%. Évidemment, la demande en pétrole n'était pas terrible, les stocks ont pris de l'ampleur. On est revenu, mais c'était pas très très fort, et on est redescendu jusqu'à un niveau qui a vraiment fonctionné en support, qui était 24,50. Depuis, rallye haussier, consolidation, à peine sur le 38,2. Et pour regarder quels sont les objectifs possibles, j'ai fait deux choses. Bien entendu, j'ai mis les niveaux de résistance et j'ai mis les extensions Fibonacci. Et puis, on regarde, et puis une troisième chose, depuis la mi-novembre, on était en consolidation horizontale, en range, et cette semaine, on est en train de sortir du range. Donc, quand on sort d'un range, un des objectifs, c'est la projection. Alors, j'ai mis les deux dans l'alignement, hein. C'est la projection de la hauteur du range au-dessus du range, ce qui donne donc ce segment rouge. Donc, les niveaux vers lesquels on doit aller, la première zone de résistance, c'est 40, pardon, 40, 40, 65, 40, 85.
La deuxième zone, alors là, qui est forte également, parce que lorsque l'on fait un retracement inférieur à 38,2, on doit faire au moins, théoriquement, on doit arriver jusqu'au 76. Mais déjà, le 61,8, ça sera un bon test. Le 61,8 étant à 42,50, et on voit que c'est un niveau qui a déjà servi de support, donc niveau important. Le 76 est toujours un niveau important quand on est en dessous du retracement 38. On voit que c'est également un niveau qui a servi de support, c'est-à-dire 44,61. Et puis, bah, si tout va bien, le 100%, à savoir 48. Voilà, je vais regarder rapidement. J'ai une question sur Danone. Je vais essayer de regarder. De mémoire, le code CBN, si je ne dis pas de bêtises. Et ça marche. Oui. Alors, Alors, je fais ça à. Voilà. Voir ce que ça donne, ça. Est-ce que c'est propre? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, j'ai besoin de me mettre en Ichimoku pour comprendre. Je suis désolé. Donc, Danone. Et là, je suis en jour. Je vais passer en semaine. Voilà. Alors, en semaine, c'est tout à fait caractéristique. Qu'est-ce qui se passe là? On est en train de choses, trois choses, quatre choses, excusez-moi, je les vois au fur et à mesure. Première chose qui me saute aux yeux, c'est qu'on est en train d'attaquer le nuage weekly. Nuage hebdomadaire, donc on ne sortira que si on dépasse, ben on sera tranquille que si on dépasse 66. Et on est à 58. Donc, il faut prendre 15% à l'intérieur d'un nuage qui est quand même épais. Ça peut être compliqué. D'autant plus que, deux, il faudra la confirmation du franchissement de la lagging span de Sakijun, qu'il faudra franchir le niveau intermédiaire ici, que je peux tracer. Qui est à la fois, et qui est à combien? 60-50. Il est important ce niveau. C'est une vraie résistance. C'est un plat de SSB. Et vous voyez que ça a été un support important. Il a ouvert un gap. C'est même une zone de polarité, puisque ben, il a fait support ici. Et il a refait support. Donc, ce n'est pas vraiment une zone de polarité. C'est une zone qui est de résistance maintenant, mais qui a servi de zone de support. Donc ce niveau, il faudra déjà le franchir. C'est déjà un premier objectif, éventuellement atteignable en mèche. Ce que j'aime pas non plus, c'est, même si la bande de Bollinger, là, est en train de s'ouvrir, ce qui est bien, j'ai malheureusement une bande de Kettner qui est très haute. Hein. Elle est à 59,66. J'ai dit que le niveau, la première résistance, était à 60,45. Donc là, on a, si l'aventure, on arrivait à rentrer à l'intérieur du nuage, on aurait déjà à ce niveau-là une zone de résistance tout à fait musclée. Donc, c'est vraiment le maximum pour l'instant que je ressens, hein, à titre personnel, que je ressens pour l'actif. Si on n'arrive pas à franchir, eh bien, on aura un retour vers la zone de la plaque jaune ici, qui est en plus une zone qui est à la fois une. Je vais la tracer. Bon, il était déjà à peu près. Bon, c'est bon, il était. Et j'ai ensuite les niveaux qui étaient. Donc, en cas d'échec, que, à titre personnel, j'anticipe. Je peux me tromper, bien sûr. Donc, le premier niveau de repli, c'est 56,76 et le niveau en dessous, c'est 54. Voilà. Si
La Keltner, elle est éloignée, en hebdo, hein. Elle est éloignée. Alors, si les cours arrivent, Olivier, si les cours arrivent à pénétrer à l'intérieur du nuage, elle va naturellement elle-même s'aplatir un peu. Donc, mais il faut la considérer que, actuellement, en hebdo, la bande de Keltner est le premier niveau de résistance. Voilà, ben ça fait 1 heure et demie pratiquement que l'on est ensemble. Si vous avez des questions, vous envoyez un mail à Worldata qui me le transmettra et je répondrai à toutes les questions qui auront été posées. Il me reste à vous remercier de votre patience, de vous souhaiter un bon appétit, une bonne soirée. Et puis, ben, pour tout le monde, rendez-vous, la date n'est pas fixée encore, rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de notre webinaire. Bonne soirée!